Salut YouTube, bienvenue sur Totalrum Remastered. On continue la campagne avec le royaume du pont. Je pense que ce sera la fin pour cette campagne, à moins que, enfin, du point de vue de la victoire courte. Après, il faudra qu'on aille chercher, j'aimerais aller chercher les villes de Memphis et d'Alexandrie aux mains des Égyptiens, puisque ce sont des villes avec des merveilles. Et comme je veux faire le succès avec toutes les merveilles, ça va être obligatoire. Voilà, donc là, je vais commencer à renforcer mes troupes. Je vais faire le plus de trucs possible. J'ai un gouverneur là que je vais peut-être ramener à Mazaka sur le chemin. Hop, un peu d'infanterie de Mercos. Voilà. Le Séleucide revient. Ok. Ah, il est parti, ils doivent commencer à s'inquiéter. Hein. C'est pour ça qu'on a attaqué de toutes parts. Ah, un nouveau mari. Où ça? À Sinope. Là, en vrai, on pourrait se mettre bien si on fait une attaque sur Kotaïs. Suse est pas loin quand tu regardes ici. Alors les Bédouins, on va les retirer, ils ont fait leur service. En vrai, une attaque sur Suse, ça pourrait tellement être cool. Bon, au centre, on continue de renforcer nos forces. Hein. Là, il y a du peuple. Hein. Ouh la vache. Ils se disent que je gagne, mais bon, j'ai des doutes. Hein. Quand tu vois déjà les chars et les éléphants. Bon, pour moi, on va pas attaquer. Là, je pense que si tout va bien, on repousse les Parthes. Là, c'est marrant, c'est le 7e épisode. Voilà, hop, eux, c'est repoussé. Je peux pas les assiéger parce que les Macédoniens attaquent, c'est ça? Ah, ça c'est con ça. Non, mais on peut attaquer même si un autre assiège. L'IA le fait bien, alors pourquoi pas nous? Aïe, 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 aïe. Bon, après là, on a une opportunité d'attaque. Alors, déjà, je vais recharger juste un instant. Parce que c'est pas normal que je peux pas prendre. Normalement, je suis sûr que le siège multi pouvait se faire hein, sur Rome 1. Déjà, on va faire ça. Comme ça, on n'aura pas trop de pertes. Hop, lui, il rentre. Déjà, ça c'est fait. Seigneur, aux ordres. Seigneur, puissant général. Seigneur, aux ordres. Seigneur, aux ordres. En fait, si je m'en vais, j'ai peur qu'il m'attaque dans le dos et ça, j'ai pas trop envie. Ici, il va falloir faire une sortie, je pense. On n'aura pas trop le choix. Ouh, j'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. Ah, ils ont beaucoup de tireurs et de chiens, quoi. Mais bon, en vrai, je pense qu'il y a moyen de les battre, hein. Mais bon, je veux juste vérifier un truc dans le doute. Un Nicomède, pourquoi ça va pas?
Nicomède, Nicomède, Nicomède. Bah si, ça va, qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, déjà, les mercenaires tracent, hop. On dégage. Des murs. Une mine ici. Ouh, ils ont une armée pleine là. Oh. Ils ont une armée pleine là. Oh, yo, yo, yo. Bah, je pense qu'en vrai, on peut peut-être... on va faire quoi? Je suis en train de réfléchir un peu. Bah, déjà, on va sortir d'ici. Quand tu dis que t'as un maigre avantage, bien sûr. On va déjà dégager du pont. Enfin, dégager dans cette armée d'Antioche. Ils ont... Bon, les Peltas, c'est gérable, hein, grosso modo. À former 2-3 armées pour tant pis, je vais traverser Macédonien, j'ai pas trop le choix après tout. Alors, leur général, c'est lui, hein, c'est le milicien monté au centre. Là, on a quand même 7 cavaleries comme ça. Oh, les éléphants là, ça pourrait être une bonne cible, ça. Ils ont pas paniqué, dommage. Oh, si, ils ont paniqué, regardez ça. Allez, mais. Allez, mes gros. Ah merde, ils sont barrés, bon. C'est toujours ça de pris. Alors, attends, attends. Là, on a d'autres Peltas. Là, on a encore des Peltas au centre. Je vais sortir mes généraux. Allez, let's go. On recule. On recule. Qu'est-ce qui me traque, là? Non, sérieusement, le jeu, là. Non, je suis pas d'accord. Ah, ils sont incontrôlables, leur char, tu me diras. Bah, ils sont dégagés aussi. Je rappelle que c'est un général aussi de corps à corps qu'on a, hein. Attention. Allez, on va charger leur général, comme ça il va être isolé. Voilà. Bon, leur général ne reviendra pas déjà, ça c'est une bonne nouvelle. On va reculer nos troupes là. Ils ont encore des Peltas là. En vrai, une fois qu'on aura viré tous leurs Peltas et tout, on aura notre la suprématie sur le champ de bataille. Yeah. Bon, ils nous offrent des Peltas, on va les prendre. Hein.
Allez. Qu'est-ce que vous me faites, les... Voilà. On va essayer de dégager aussi leur... leur peltast ici, en espérant que leur pique ne nous charge pas. On va dégager, je pense. Attention, il y a leur char qui se pointe, hein. Allez, on essaie de détruire ces chars, c'est bien. Oh putain, on a nos généraux, il a pris cher. Faut prier que notre général y survive. En plus, il y a Caligari qui nous chasse. Attention. Oh là là, oh c'était risqué ce que je viens de faire, mais je pense que c'était pertinent. Alors, tu... Allez, petite contrecharge ici. Allez, go, go, go. Détruisez cette cavalerie, c'est plié. Non, 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 pas de brochette ici. Voilà, c'est bien joué. Bon, derrière, par contre, il y a une deuxième armée. Ils ont encore 3 unités de peltast, hein. Attention. Là, on va tenter de diviser leur armée. Ça va être le plus compliqué, mais bon. Bon, déjà, le peltast, là, il est pas prêt de revenir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il faudra choper ces deux-là au centre et c'est plié. De sortir mon pirate cilicien là. Ah, il y a le bout du monde. Non, 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 pas ici. Non, non, non. Quelle idée de mettre son peltast en première ligne. Allez hop, ce bleu. Là, je pourrais taper leur peltast. Hein. Il y a le piqué derrière, ça qui m'ennuie. Là, en vrai, ils vont commencer à se poser un peu des questions parce qu'ils ont quasiment, ils ont moins de la moitié de leur armée. Hop, on va se faire tenter une petite charge ici dans le dos. Ouf.
Pourquoi vous chargez? Si je me dis de charger. Il recule. Oh, ils vont pas me chasser, mais... Ah, si, ils me rattrapent, d'accord. Oh, c'est dégueulasse. Bon, on va essayer de détruire ces piquets, si c'est possible. Oh, il y a une opportunité, là. Je vois une opportunité d'aller chasser leurs tireurs. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ah oui, vous les avez eu complètement. Bon, bah, bien joué. Oh! Alors j'ai pas compris, mais bon, on va pas comprendre, on va pas chercher à comprendre, des fois vaut mieux pas. Il leur reste un tiers de leur armée. Ah, quelqu'un dit repliez-vous. Là, le moral n'a pas tenu. Et là, ils vont craquer aussi, logiquement. Bon, par contre, là, la map pique, c'est un peu anormal, ça. Bon, quand même. Vous m'expliquez pourquoi ils ont réussi à se faire un amas? Non, ça c'est le truc que je comprendrais. Non, 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 pas mes généraux. Ouf. Ils sont tous en train de se replier, c'est bien. Non, 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 non. Allez, rasez-les. Formidable. La terreur les fait fuir le... La victoire est douce, surtout quand elle est aussi intime. La victoire est à nous, Seigneur. Ok, cette armée se replie pour l'instant. Je vais rajouter un 8e cali du pont. Oh, lui, il s'en sort bien, par contre. Voilà. Et lui, avec lui, on va tout de suite se mettre en route. Je crois qu'on va faire tomber Suze, hein, on va pas s'emmerder. On va embarquer toute cette infanterie aussi. Là, on va commencer à remettre dans le droit chemin les Séleucides. Les Parthes. Histoire de leur rappeler que c'est un peu nous les chefs. Par là on est bien, là on reforme tout ce qu'on peut. Là on va juste attendre, alors c'est juste cette cavalerie là qui m'inquiète. Bon, je suppose que là-bas on peut toujours pas attaquer. Ah non, ça on peut pas attaquer. On va embarquer un archer crétois et deux hoplites. Allez hop. Aïe aïe aïe. Ils ont réussi à faire tomber Corinthe.
Ils attaquent à Atra. Enfin, temps fort, Momon sous pression. Hein. Ouais, Sparte, oui, tu m'avais compris, mais bon, là je suis dégoûté. Qu'est-ce que tu veux, le site? Puissions-nous Tu veux un parler de cessez-le-feu? manière Bon, je veux raisonnable? bien. Tu vois. Je te demande même. Bah, tu me donnes la région de Kotaïs. Ah, tu voudras pas. Tu vas me donner un. Alors, offrir un paiement unique. Allez, on va te demander 5 000. Puissions-nous mettre fin à ce carnage? Je te demande d'aller 4 000. Allez, 3 500, on n'en parle plus. Très bien. Ok, on a libéré. Bon. Les sites déjà, c'est pas mal. Ah, les sites grecs n'existent plus. Bon bah je pense que l'aventure en Grèce, on va éviter, hein. Bon par contre, ma flotte, là, elle fera mieux de se barrer. En Égypte. Là, j'aurais pas la Grèce comme ça. On va faire une sauvegarde. Parfait. Qui rentre chez eux. Et je vais rajouter une autre qui a l'allure du pont. Là, je vais repartir, tant pis. Ouais, non, il faut tenter un move, hein. Alors, c'est un temple de qui, ça? Alors, tu vas me réparer cet hippodrome et tu vas me faire un temple de Zeus ici, ça sera très bien. Là, je pense qu'il faut que je fasse une autre armée parce que bon, voilà, la Grèce, ça va être compliqué pour le moment. Là, on va tenter l'Égypte, hein, tant pis. Hein. Je sais que c'était pas au programme, mais bon. Oh là là, il va attaquer l'armée. Ouf, ouf. Ça va, il s'est replié. Ok. Là, faut qu'on continue de recruter des troupes. Hein. Puissant général, à l'attaque! On va reformer notre cavalerie. Un autre temple, on va améliorer la nourriture. Ici, on va grandir le temple. À Kidonia, je peux rien faire pour l'instant. À Rhodes, je vais faire quelques archers, on sait jamais. On va tout faire pour être sûr. Par là, c'est pareil. Hop, paf. Un petit bazar ici.
un autre peltast là. Alors, que veut le Séleucide ? Puissions-nous parler de manière raisonnable ? Non. T'es au bord de l'anéantissement. Alors, le part, s'il me propose la paix, ça me botterait. Puissions-nous mettre fin à ce carnage ? Non, on va faire tomber Suze et après on réfléchira. Là, il nous attaque. Il nous en veut. Si on repousse les attaques part et qu'on prend Suze, là on va le mettre mal. Nous sommes assiégés. Ah ouais, faut que je ramène mon armée, ce serait peut-être bien, Alex. Ah, Kaiser, vous m'avez compris. Certains ont une idée de mon prénom maintenant. Bon, très bien. Bon, en vrai, cette armée-là, on va la rapatrier vers ici. Hein. Alors, admettons. J'ai sauvegardé juste par curiosité. Ah, ça marche pas, dommage. Bon, déjà, je vais laisser. Oh, il y a plus... le chef de faction est mort. Ça m'arrange. Alors, je vais laisser quelques unités. Repli. Allez, cassez-vous. Retournez dans vos royaumes. Et me faites plus chier. Parfait. Et là, ça donne quoi? Parfait, bien joué. Ok, bon. Là, on est plutôt en bonne position. Là, il y a un débarquement en Égypte qui se profile. Alors, toi... Prochain tour, on attaque Alexandrie et Memphis. Là, on fera tomber la... Par contre, pour la Macédoine, il faudra que je réfléchisse à une option. Là, on va essayer d'agrandir nos ports pour avoir des navires plus puissants. Oui, Seigneur. Hop, on continue. Tu vois bien, dans deux tours, on fait tomber Suze, et là ça va commencer à piquer pour eux. Je vais te proposer un cessez-le-feu. Ça délimite. Ok. Bon, déjà on va voir. Normalement ça tombe ça. Voilà, c'est politique. Pressez-vous, notre passion, ça délimite. Je t'offre les droits de commerce, je t'offre des infos géographiques, les miennes, je te demande un paiement. De 2000. Je te demande 4000.
vais te demander 6 000. Malheureusement, nous devons refuser. Pressez-vous, notre patience a des limites. Allez, je te demande juste 1 000. Puissons-nous parler de manière raisonnable? 400 fois 16, ça fait 6 400. Allez, je te demande juste 1 000 et, je t'arrête de te taper dessus. Puissons-nous mettre fin à ce carnage? Non. Ah non, c'est pas moi qui vais payer, tu vois. Bon, allez, 500 et j'arrête là. Puissons-nous parler de manière raisonnable? C'est qu'ils sont tellement dans la merde. Voilà, bon, on récupère pas de sous, mais au moins ça c'est cool. Alors, on a un temple ici ou pas? Bon, déjà ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les villes-partes. Ah, génial, ce temple-là, il le considère comme compatible. Bah, c'est cool. On va faire une place publique ici. J'ai rajouté un quatrième archer et plus de dégâts. Bon, par contre, là, mon gouverneur. Bord Mercus. Non. Là, on va recruter en masse, par contre. Ok, c'est bien. Alors, vous deux, je vais vous envoyer en éclaireur. Là, si tout va bien, on peut faire tomber Alexandrie Memphis dans la foulée. Là, on a notre armée là qu'il faut qu'elle revienne le plus vite possible. On va tenter un snipe sur Corinthe. Oh, on peut se faire des triens. Bon, on va en préparer. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Désolé les Égyptiens, c'est rien de personnel. Hein. Donc là, logiquement, on gagne la campagne courte. Succès des héros, moi je veux jouer le rôle. Désolé Alexandrie, hein, rien de personnel, mais c'est juste pour la fin de campagne. Le phare divise par deux les risques qu'un bateau ne coule dans ses environs et augmente la possibilité de déplacement en mer. Ça c'est cool. Après la mort d'Alexandre le Grand, les querelles entre ses généraux achevèrent de désagréger son empire. En Égypte, Ptolémée Mésotère se proclame pharaon et en 290 avant Jésus-Christ environ, il commence la construction d'un phare sur une île large des côtes d'Alexandrie, particulièrement dangereuse pour la navigation. Les érudits de la Grande Bibliothèque ont participé à sa conception et la construction fut achevée sous l'ordre de Ptolémée Philadelphus. La nuit, un feu était entretenu pour éclairer les navigateurs et le jour, un système de miroirs. Réfléchissait la lumière. Le phare mesurait plus de 117 mètres de haut, environ la hauteur d'un immeuble de 40 étages, et était coiffé de la statue de Poséidon, le dieu de la mer. Ce bâtiment est resté relativement intact jusqu'au tremblement de terre qui le détruit en 1303, puis en 1323. Ah, dommage. Victoire ! Le monde vous appartient. Grâce à vous, nulle autre puissance ne peut rivaliser avec la grandeur du pont. Aujourd'hui est un jour de fête. Un jour pour décider du sort du monde sous la férule des seigneurs du pont. Continuez à jouer. Bah, j'ai un objectif secondaire que j'aimerais faire quand même. Sire, puissant général. Bon, déjà. Puissant général. Hop, on va embarquer ça. J'ai embarqué deux plis de peltast. Seigneur, vos ordres, seigneur.
Alors déjà, je vais embarquer deux houppies. Il y a une révolte à Memphis, on va essayer de les dégager. Parfait. Là on va réparer ce qu'il faut. Bon, là la culture égyptienne ça va pas nous aider. Hein. C'est quoi ça? Temple d'Imhotep. Bon, ceux qui ont vu la momie, lol, je rigole. On va faire un temple de Zeus ici. Une place des exécutions, une académie. Et là, est-ce qu'on peut faire des troupes? Oh, on peut faire des zones agres ici. Voilà, on va faire tout ça déjà. Et on a un objectif secondaire à aller faire. Hein. Ah, si on arrive à sniper leur truc, là, ce serait cool. J'ai emmené mon diplomate en avance. Maintenant, tu vas déposer tes côtes. Oh là là. Oh, il n'y a plus personne à Corinthe. Il y a un truc à faire. Si on a le temps. Ah, ils ont une peste à Athènes, ça c'est cool. Que veut-il? Réfléchissez longuement avant de retourner. Vas-y, mais va pour 510. Ok. Alors on va reformer un navire ici. Là avec ma flotte, avec mon armée, on va vite tracer. Est-ce qu'on peut récupérer des troupes en chemin? Non. Aïe aïe aïe, bon, s'ils prennent la crête, tant pis, hein, mais... Allez, avant-dernière merveille. La grande pyramide, le sphinx de Gizeh. Succès déverrouillé, merveille durable. La grande pyramide annule les effets de pénalité de culture des bâtiments égyptiens pour des factions non égyptiennes, ce qui peut être très utile. La grande pyramide à Gizeh est une merveille, c'est une montagne érigée sur... la tombe d'un grand monarque. C'est un bâtiment très ancien dont la construction a été ordonnée en 2560 avant Jésus-Christ par le pharaon Khoufou au cours de la 4e dynastie. La pyramide est construite dans l'alignement parfait de 4 points cardinaux et la différence de longueur entre les 4 côtés est inférieure à 1 pour 1000. Même la pente des 4 faces est d'une pression étonnante. 51 degrés, 51 minutes. Nice! Mais c'est avant tout la taille de la pyramide qui est particulièrement stupéfiante. Au cours des siècles, la grande pyramide sur construction ont soulevé le respect, l'admiration et l'imagination de tous les hommes qui se sont tenus dans leur ombre. Eh bien. Bon, par contre, la cavalerie, on va la rapatrier, celle-là, à Alexandrie. Donc ça fait 6 merveilles. Allez, plus qu'une. Bon, ça veut dire que ça va impliquer la trahison de notre ancien allié de Macédoine. On va essayer de recruter le plus de troupes possible déjà. Ouais, la plus dure, c'est clair. On va faire des piquets du pont. Alors, ça prend combien de temps? Ouais, 2 tours, on va peut-être pas abuser. On va tout de suite abriter notre flotte pour qu'elle se reforme.
Allez, plus de murs ici. Une forge. Navire paré. Navire paré. Sire. Tout de suite. Tout de suite. Oh, ok, je pense que je comprends ce qui se passe. Là, les Macédoniens sont aux prises avec les brutis. Ils ont laissé, on est d'accord. On est d'accord qu'ils ont laissé leur une ville sans défense là. Héraclès le conquérant est mort, mais il a vraiment eu la vie de une ville légendaire. Hein. Bon, déjà les temples, on va tout de suite les dégager pour être sûr en Égypte. Alors toi, on va te virer mon pote. On va faire quelques archers en renfort ici. Par là, on a eu un assaut où j'avais pas vu. Une révolte, j'avais oublié. Ouais, après, si j'ai une seule unité d'infanterie, mon monde, ça suffira. Hein. Regarde, même Momon, même Sparte, il l'a laissé sans défense. Hein. Et moi, c'est juste, juste prendre Corinthe et c'est gagné. Hein. Non, pas encore. J'ai un plan. Ouais, par contre, faut pas que les brutis s'en mêlent. Là, ça me ferait chier. Puissions-nous mettre fin à ce carnage? Non. Tu n'as pas mon protectorat, toi. Tu fumes, mon vieux. Ok. Bon, je sais pas ce qu'ils font là, les masses sur mon île, mais bon. S'ils assiègent pas, si qui de n'y a le tien, ça m'arrange. Moi, je fais des murs partout pour me blinder. Par contre, en Égypte, c'est vrai qu'on n'a pas des, on a aucune route, tu me diras. Oh, mais Mentep serait prenable. En vrai, là, on pourrait paralyser complètement l'économie égyptienne si on fait tomber Thèbes. Est-ce qu'on a accès à d'autres Mercos ou pas? Non. En vrai, Momon, je vais tenter le coup de la corruption. Allez, grouille. Bon, c'est de la résolution auto, vous me direz, mais bon. Vas-y. C'est quoi ça? Ah, c'est les Romains de Publius Scipion. Attention. Allez, est-ce qu'on tente ou pas? Allez, on va tenter le coup d'attaquer Memphis. Là, on parle. Là, l'économie égyptienne, elle va tomber en dégringolade si on fait ça. Oh, ils sont. Oh, il y a une opportunité en or. La destinée n'existe plus, ok.
Bon, déjà, Memphis, ça tombe. Parfait. Alors, c'est un temps de qui, ça? De 7. On s'en fout. J'attends vos ordres. Je suis à vos ordres. Parez à naviguer. Et là, on va essayer d'optimiser notre mouvement. Je vais enregistrer. Bon, lui, je vais juste le virer dans le doute. Ah non, je peux pas. Allez, on tente notre coup de poker ultime. Il va tuer qui, mon général ou mon espion? Fait qu'il meurt pas. Oh, il a tenu bon. Ok, bon bah. Je pense que c'était le bon moment de terminer cette campagne, les amis. Alors, on est au tour combien? C'est le tour 79. Et ben, je vous annonce, les amis, que le pont va réussir à obtenir le contrôle de toutes les merveilles du monde. Si on peut dire que c'est une victoire culturelle et nous sommes des faiseurs de ponts. Aïe. La statue de Zeus confère un bonus de 4 en loyauté de la population dans toutes les communautés. Le grand temple d'Olympie abrite une magnifique statue en or, en ivoire, représentant Zeus, le père des cieux. Le père des dieux. Le temple a été construit par Libon en 450 avant Jésus-Christ. C'est un bâtiment impressionnant, mais qui n'a pas été jugé suffisamment imposant pour le site. On confia donc au sculpteur athénien Phidias la tâche sacrée d'ériger une majestueuse statue de Zeus. Son talent était tel qu'il semblait que son Zeus assis aura détruit le temple s'il avait pu se relever. Cette statue de 13 mètres de haut inspirait donc l'admiration et le respect recherché. Bon. Bah, c'est la fin de la campagne. On va se faire un petit toggle faux. On va voir un petit peu le bilan de cette campagne. Qui a fait quoi? Bah attendez. Avant de faire ça, on va s'arrêter là, donc c'est la victoire avec la campagne du pont sur Total War Remastered. On a réussi non seulement la victoire courte, mais en plus nous sommes les possesseurs de toutes les merveilles du monde, ce qui fait que nous sommes un royaume de culture et de sagesse. J'espère que ça vous a plu, YouTube, je vous dis à la prochaine pour la prochaine aventure, des bisous, ciao ciao.